Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du bélier. Comment séduire un bélier? Il y a plein de trucs à connaître, c'est ce que je vais vous donner en détail dans quelques secondes. A tout de suite. Ça aime foncer, c'est fait pour aller de l'avant, c'est fait pour prendre des initiatives, ça adore prendre des décisions, ça adore commander, il faut être lucide, ils aiment bien décider, ils aiment bien démarrer surtout les situations. Alors comment leur plaire? Il faut être dans le courant, les laisser être locomotives là où ils sont excellents, les encourager en leur expliquant à quel point ils sont moteurs, à quel point c'est formidable, à quel point rien ne se ferait sans les béliers qui amorcent toutes les nouvelles situations. Ils sont d'une capacité à agir avec une détermination sans cesse renouvelée tous les matins. Ce sont des signes de printemps, donc tout se renouvelle tous les jours, il y a plein de nouvelles idées, envie de faire plein de choses. Donc on les encourage à aller de l'avant et on les rassure bien quant au fait qu'on va les suivre, qu'on va les appuyer, qu'on va être derrière leur dos, sans non plus être trop insistant parce qu'ils aiment bien avoir le dernier mot. Il faut être l'excellent second pour le bélier, qui leur donne, qui leur assure toute la logistique, qui leur permettra d'être constructif, créatif, moteur, déterminant, etc. dans tout ce qui touche. C'est le premier point, mais c'est beaucoup plus riche que ça en fait, parce que quand on regarde le bélier, il a besoin de renouvellement, il a besoin de quelqu'un qui le suive dans toutes ses décisions un peu rapides, parce que lundi, il va avoir envie de faire quelque chose, le mardi ça peut changer, il ne faut pas le contrarier dans ces cas-là. Quand on a envie de s'entendre avec un bélier, il faut suivre son rythme. N'oublions jamais que c'est un signe dominant, n'oublions jamais que c'est un signe qui aime créer les situations nouvelles, et donc à ce titre, si on le freine, si on l'entrave, si on le pousse à être dans une fatigue d'énergie inutile, il va se lasser aussi vite que ce signe le prédispose. Donc, concrètement, pour le séduire, il faut surtout pas freiner son côté fonceur, mais l'encourager quand il prend des décisions. Vous aurez la subtilité de attendre un petit peu qu'il soit parti sur sa lancée pour lui donner tous les conseils dont il aura besoin pour compléter de façon à être encore plus efficace. Valorisez toutes ses initiatives, il en est extrêmement demandeur et il vous en sera très reconnaissant. Il aime en même temps, il aime décider, laissez-le décider. Il faut être suffisamment malin pour lui donner des orientations, pour lui donner des conseils, pour lui dire « Tiens, tu as vu comme c'est intéressant ceci, comme c'est beau cela, qu'est-ce que ça me ferait plaisir de faire cela ?» Et de cette façon-là, notre bélier, il va prendre l'initiative, ce qui fait super bien. Et puis il appréciera en retour de vous voir aussi à l'écoute de ses pulsions et de ses pulsions moteurs, parce que c'est un moteur. N'oubliez pas qu'il aime à la fois décider, c'est le petit truc que je gardais pour la fin, il aime à la fois être dominant et décidé, mais en même temps il ne supporte pas d'être seul. Donc toute sa vie, notre bélier, il recherche la personne, sa moitié d'orange, qui à la fois le laissera décider et l'encouragera dans ses choix. La partie n'est pas facile, mais si vous collez à ce profil, c'est un partenaire de rêve. À bientôt!